Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le sixième épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Soul Silver en mode fusion, où les sprites de Pokémon dans ce jeu sont fusionnés. La dernière fois, nous avions pu obtenir un troisième badge d'arène à Doublonville, là où nous sommes. On va donc se diriger vers la prochaine arène, celle de Rosalia, comme vous le savez. Et donc, du coup, on va repartir. Alors, la dernière fois, au niveau des coéquipiers, on a notamment eu un petit Tiboudin de type sol plante, donc c'est un Pokémon plutôt intéressant. J'avais pensé à lui mettre peut-être une attaque supplémentaire, en vrai, que j'avais vu. Oups. Alors attends, si je me trompe pas. Est-ce que c'est cette capacité ou pas? Non, c'est effort. Putain, non, il n'y a pas. Je pensais que c'était ton broche. Tant pis. Je pensais que c'était ton broche. Et il peut apprendre point glace. Ça, c'est bien. Il me fait mal, lui. Donc, du coup, ça, c'est une nouvelle zone, hein. Alors oui, du coup, pour le dernier tirage au sort hein, qui a été fait, hein, puisque je rappelle que ça fait partie de nos règles, on était tombé sur un 3 hein, la dernière fois. Donc ça veut dire que jusqu'au prochain tirage, on ne pourra pas utiliser d'objet de soin pendant le combat. Niveau 12. Niveau 2. Wesh. Niveau 12. Ils se font défoncer de ouf, hein. Alors, Pokémon de... Oh! Un Tiflosif! Oh, il est stylé ce Pokémon. Ouais, c'est vrai qu'il m'avait fait de l'œil la dernière fois. Il est féroce! Ouais, c'est pas mauvais, hein. En aventure, je pense que c'est bien. Il a la cuillère tordue. Oh, il a sable volant! Oh, ça veut dire qu'il augmente sa spé def. Ben, c'est cool. Ah, il a une nature qui baisse l'attaque spéciale, par contre. Il a les stams, hein. Il a lance-flamme, machin. Ah, une nature qui baisse l'attaque spéciale, c'est un peu triste, ça, par contre. J'ai pas de chance au niveau des natures, hein.
Alors, du coup, on va lui donner un objet, un objet. Entrée. Ok, donc on a fait les dresseurs de la route d'au-dessus. Il y a aussi le parc où il y a un Pokémon à capturer. Donc on va vite arriver à Rosalia alors. Prillusion. Ouais, il est moyennement beau. Hein. Il avait à boire. Ouais, il a vachement de quoi procurer du lait. Évoluant en étouraptor. Ah bah mais non, c'est le bruit des tromboles, je me disais. Ah, il est insectopsie. Ah, insectopsie, c'est vraiment de la merde. Hein. Oh, oui, 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 oui. Choc mental, piqûre. Il a l'anti-teinté. Oui, forcément, c'est pas illusion. Ouais, ce Pokémon, il pue la chenoute, franchement. Il est vraiment mauvais. Mais ça sert à rien d'avoir Tempête Sable, il a sable volant, putain. Oh là là. Chut. C'est l'Irène. Des ébullilaves sous la reine. C'est une double résistance feu. Alors, donc, bah là on peut aller à Mauville hein, si on veut se soigner. Et juste au-dessus, on aura Rosalia. C'est une zone hypokippant. C'est type quoi ça? Troll vol! Oh! Ouais, c'est vrai que j'ai pas. Et les cocos. Sauf qu'il est ultra moche, hein, ce Pokémon. On sait toujours pas ce qu'il y a dans l'œuf. Hein. Il a sable volant aussi, il est rigide. Concert tire debout, mini. Oh, il est pas ouf. Il est pas ouf. Non, ça fait jouer quand c'était ça. Ok, donc. Alors. Dégager, c'est Helioxio. Xtaros, ils auront. Oh, ils sont trop stylés, les deux Pokémon. J'avoue. Pistolet à eau.
Il la possède, j'avais pas fait gaffe. J'étais en train de me dire pourquoi il le touche pas. Mais il dit quoi ce Pokémon? Je me suis tué mon Poké. Je sais pas du tout quel type il est. Il était type insecte. Je pensais qu'il était type plante. Il aurait pu être type plante ou plante roche. Enfin, il avait le type insecte de Parasect au final. Maman qui me spamme d'appel, c'est quoi ça? Elle n'a aucun souci avec l'indépendance, celle-là. Elle m'a dit, pars tranquille, je garde tes sous. Au pire, on s'en fout. Honnêtement, j'ai pas besoin de ça. On a Rosalia, hein, du coup. Oh, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a le mec de la Team Rocket à affronter. Il a que nos quoi, comme alors là, c'est le meilleur poké de la vie. Évidemment. Hein. Donc ça, c'est Surf, du coup. Bon, on va mettre Surf, hein, sur notre starter, bien sûr. C'est 95 de puissance. Ils l'ont augmenté, c'est 90, tu. Ah, c'est mieux que Croupie, hein, forcément, vu la précision. Ok. Alors, du coup, on va aller là. Est-ce qu'on peut capturer un Pokémon ici? Ah non, on peut pas passer. On va voir le badge. Ah, la tour cendrée, il y a... Putain, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît, merci. On a un Pokémon de zone, Broderive. Je me serais attendu à mieux, hein. Hop. Ah, c'est quoi ces baffes? Non, Broderive, il m'intéresse pas des masses, clairement. Arrêtez de me parler. On va se faire le rival là. Hein. Non. Même ça, c'est nul. Et du coup, on aura un tirage au sort après lui. Hein. Ça, c'est ce one shot. Il a tenté un mur de fer, histoire de. Hein. On va mettre Caracos sur lui. Et il est niveau 26. Hein. Ouh, il fait des vents glaces. Non, pas mettre Sifflosif sur Canarjaco, oh là là. Non, berceuse, putain. Quoi ça? Quoi? Je t'ai fait casser la gueule. Ah, c'est ça le poison. Quoi? Oh, feu sacré! Sérieusement? Ah ouais. C'est déjà d'un coup beaucoup plus fort. Alors du coup, on va se faire le tirage au sort après ça. Oui, d'accord. Gaffe. Aussi, on s'en fout. Alors donc du coup, le tirage au sort, on va tomber sur quoi? Alors là, je prédis un bon truc, hein. Numéro 2, bah oui, je prédis un bon truc, et c'est un bon truc, une double zone du coup. La prochaine zone sera double, effectivement. Alors, est-ce qu'on reste là? Bon, on se fait le dresseur, allez. Pour le fun, la vibrale.
Zéro dégâts, mon ami. Il fait échange. Ok, si tu veux, Ekrarit. Mucus Kid. Il n'y avait que des Pokémon de merde. Voilà, la ceinture. Ah, ça c'est le truc super. C'est le truc super efficace, ceinture noire, ou c'est les attaques ténèbres? C'est des attaques super efficaces. Boumoclès. Mais quelle idée d'avoir mélangé Boumata avec ce Poké. Il est stylé et vous le mettez avec un Pokémon moche. Je comprends pas la logique de gâcher un Pokémon comme ça. Bon bah on va se faire l'arène, hein. Écoutez. Je suis chaud pour me faire l'arène. C'est bon. Oh. Mineur de fer. Bon, on va se faire ce Pokémon. Ah ouais, les dégâts, ça rigole pas, hein. Vandibule. Ah, sous l'arène. Ah bah non, on a remis le... En lui... Allez, on le dégage. Regardez la gueule du poké! Froussardine et Magikarp! Incroyable! Sibugnou! Oh, le nom est génial! Ah, ça, c'est la prévolution de mon poké. Mince. Je fais. Ok, bon, on les a tous faits, je crois. Donc, allez, on y go, le champion d'arène. Alors, en combien de temps on se le fait, celui-là? Attends, ouais, là, je coule. Un bon temps. Là, on est en forme, là. Hein. On a une team qui est en train de progressivement augmenter, là. On amène notre petit œuf qui combat avec nous en esprit, hein. Même si peut-être qu'après je le jetterai comme une grosse merde. J'imagine, il éclose, je tombe sur un 5 et il dégage. Ah, ce serait un gros karma. Hein. Ok. Au niveau 31. Ah oui. T'as pas le time, toi, hein. Canicule. Niveau 28. Oh, on en a rien à foutre de switcher, pas switcher. On va se faire défoncer là, non? J'en ai 8 niveaux d'écart. Hein. Ah, ballon, bon. Bon, on l'a battu. Et même pas vu passer de combat. Il avait des Pokémon haut niveau, hein, le mec, hein, quand même, faut-il le dire. Plus haut que les Pokémon de Mortimer de Barrage. Je peux faire préciser, c'était 30. Bon, ce sera pas ballon, moi, cette fois. De toute façon, je l'ai appris à mon Poké, donc mais je l'avais déjà. Là, c'était 30. Il m'a redonné à nos hydros. Terrible désillusion.
Bon, on l'a battu, hein. 4 badges d'arène, du coup, déjà. On est pas mal. Bon, ça va se corser, je pense, avec le temps, mais... Allez, pour l'instant, on est pas mal. On va faire le tirage au sort, bien sûr. Surtout avant de partir sur la prochaine zone. Alors, je rappelle qu'on avait le 2, hein, qui est encore actif. Donc, la prochaine zone restera double. Par contre, le numéro 6, ça veut dire que je ne peux avoir que 3 Pokémon dans l'équipe jusqu'au prochain tirage au sort et qui arrivera dans un petit moment en plus. Donc, ouïouïouï. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, on va s'arrêter là, hein, du coup, pour cette vidéo. Et la prochaine fois, bah, on va se diriger vers Irizia, qui sera notre prochaine arène. On passera par Olivine, hein, bien sûr, sur le chemin. Mais bon, voilà. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve à très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.